Bonjour, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau moment d'étude. J'ai donc avec moi Virginie, Marthe et Saoli. Et avant de commencer ce temps d'étude, je vous propose que l'on puisse prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous donner l'occasion d'être ici ensemble et de pouvoir étudier ta parole. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes ta présence et ton esprit afin d'avoir la compréhension et qui vient directement de toi. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Alors, nous allons parler du Dieu rédempteur. Dans la parole de Dieu, Dieu est présenté comme celui qui sauve, comme celui qui apporte à l'homme la possibilité de se sortir de ce monde de souffrance et de malheur dans lequel nous vivons. Alors, pour ce faire, nous allons tout de suite commencer avec la lecture de Romains au chapitre 5 et le verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous le dit clairement, Christ est mort pour nous. Et ce qu'il dit est intéressant parce que rappelons-nous toujours que l'apôtre Paul vit dans une époque qui n'est pas la nôtre. Il est dans un monde où autour de lui, il y a toutes sortes de divinités et toutes sortes de sacrifices. Et le sens du sacrifice dans le monde de Paul, mis à part le peuple juif, bien sûr, le sens du sacrifice était, on faisait le sacrifice pour amadouer la divinité, pour la rendre favorable. Ici, Paul ne dit pas cela. Il est en train de nous dire que c'est parce que Dieu nous aime que Jésus est mort. Jésus ne serait jamais venu sur la terre si Dieu ne nous aimait pas. En fait, cet amour-là est éternel, puisque le plan du salut a été conçu avant même la fondation du monde. Donc, bien sûr, avant même le péché. Avant même le péché. Dieu connaît toutes choses à l'avance, il savait, il n'est pas pris au dépourvu, tout avait été prévu en quelque sorte. J'aime cette expression, l'amour éternel, Jérémie, je t'aime d'un amour éternel, et c'est une réalité, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus vient non pas pour que Dieu nous soit clément, mais parce que Dieu est clément avec nous. Et c'est toute la différence. Regardez le sacrifice du Christ au travers de cet amour change tout. Jésus n'est pas qu'une rançon, comme certains le diront, même si théologiquement on peut parler de cette image, parce que c'est une image, mais ce n'est pas que ça, c'est beaucoup plus que cela. C'est Dieu qui vient s'offrir pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Et ça, c'est primordial. Si on n'a pas compris ça dans la mort du Christ, on est passé à côté du plus beau de ce que Jésus est en train de faire. Oui. Chose, en fait, le titre de cette étude prend toute sa valeur, un Dieu rédempteur. C'est un Dieu qui rachète les péchés du monde, qui veut sauver sa créature, qui veut le libérer du péché. Donc forcément, ce plan qu'il avait conçu avant même la création du monde, comme disait Saoli, c'était bien par amour qu'il l'avait fait. Tout à fait. Donc Dieu aime l'homme. Ça, c'est un principe fondamental. On ne peut pas faire autrement. D'ailleurs, dès le premier péché, Dieu va dire quelque chose d'incroyable. Dans Genèse, au chapitre 3, au verset 15, donc si on veut lire ce verset, c'est Virginie qui va lire pour nous. Dieu dit, « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voilà un texte qui peut paraître surprenant au premier abord. Inimitié entre ta postérité et la postérité du serpent. Celle-ci lui écrasera la tête. Bon, qu'est-ce que c'est que, on pourrait se dire peut-être, qu'est-ce que c'est que ce charabia, mais nous sommes dans une époque, dans un contexte qui n'est plus le nôtre. Il faut simplement comprendre ce que cela veut dire. La postérité pour quelqu'un, c'est son futur, c'est son avenir.
Donc quand il dit « ta postérité écrasera la tête sur le serpent », c'est-à-dire que dans le futur, quelqu'un va venir vaincre le serpent. Le serpent, c'est celui qui a fait tomber Adam et Ève. Donc dans le futur du serpent aussi, eh bien il sera vaincu. Donc Dieu est en train d'annoncer que c'est vrai, l'homme est tombé, l'homme quelque part est perdu, puisque le salaire du péché c'est la mort. Dieu l'avait dit à Adam, hein, si tu manges du fruit, tu deviens mortel, tu meurs. Eh bien Dieu dit, c'est vrai, mais j'ai une solution. Et cette solution, il y a un salut qui va venir. Il y a quelqu'un qui va venir écraser le serpent. Pour ce faire, il sera blessé à mort puisqu'il va être mordu au talon. C'est la mort du Christ sur la croix. C'est le premier message évangélique. Le premier message d'espérance après cette sentence que Dieu a prononcée après le péché. Tout à fait. Alors, est-ce que vous connaissez un passage dans l'Ancien Testament où est préfiguré déjà ce sacrifice de Jésus? On le voit avec Genèse 3,15, mais on le voit aussi dans Ésaïe. Dans Ésaïe. Et puis dans les psaumes aussi, on en parle beaucoup. David en a beaucoup parlé, oui. Notamment du sacrifice de Christ. Oui, et aussi l'exemple d'Abraham qui et l'exemple offre d'Abraham. Son fils Isaac en sacrifice. Donc on se rend compte que dans l'Ancien Testament, il y a de nombreux passages qui font référence à la mort, au sacrifice, à la mort du Messie. Le sacrifice d'Abraham est un exemple, on peut dire, presque une parabole, mais une parabole vécue, hein, qui n'a pas dû être facile à vivre, ni pour Abraham, ni pour Isaac. On n'a pas le temps maintenant de tout voir dans le détail, mais il n'empêche qu'il a fallu le vivre. Pour ceux qui voudraient l'approfondir, il suffit de lire déjà Genèse 22, hein, les versets 1 à 19. Oui, et puis parlons de tous ceux qui symbolisaient Christ dans l'Ancien Testament. Les prophètes en ont parlé, et même tout le service du sanctuaire, tout ce qui s'est passé dans le sanctuaire, figurait donc voilà, la venue de Christ, de son sacrifice. Et c'est pas pour rien que Jean-Baptiste va dire, en voyant Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein, tous ces animaux qui étaient sacrifiés dans le sanctuaire préfiguraient la mort du Messie. Oui, on parlait tout à l'heure de l'amour de Dieu qui s'est offert pour nous, ces créatures qui avons péché. Je voudrais parler avec le sacrifice d'Abraham et d'Isaac, que de même que Isaac a librement consenti, il s'est aussi offert, Christ aussi s'est offert librement, puisqu'il était aussi avec son Père à l'origine de ce plan du salut, et enfin, je veux dire, c'est pas par contrainte qu'il est venu sur cette terre s'offrir à nous, il l'a fait librement, volontairement. C'est un acte volontaire. Hein. Oui. C'est parce qu'il nous aime. Voilà. Ça, c'est une certitude. Il faut aussi ajouter que ça n'a pas été une chose facile, ni pour Dieu, ni pour Jésus-Christ. C'est vrai que nous, on regarde ça, on pense que ça a été facile, voilà, ça a été décidé. Mais c'est quelque chose qui a vraiment été difficile. Mais Dieu a dû passer par là, parce que c'était la seule chose à faire pour sauver, pour sauver l'humanité. Un ange ne pouvait même pas le faire, mais il fallait que Dieu lui-même Dieu seul pouvait endosser cela. Il y a ce fameux passage d'Ésaïe 53, dont on a parlé tout à l'heure, qui semble quand même incontournable lorsqu'on parle des prophéties dites messianiques, parce qu'elles abordent ce que va faire le Messie. Et dans Ésaïe 53, dès le départ, on fait référence à quelqu'un qui vient et qui semble faible, c'est qu'un rejeton, nous dit, et qui pourtant va accomplir le sacrifice. Est-ce qu'on peut lire les versets 3, 4 et 5 ? Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et c'est de nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé,
C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Donc ici, vous voyez, un texte qui prévoit cette mort de Jésus sur la croix, méprisé, abandonné des hommes, rejeté, homme de douleur, il porte nos souffrances, il est percé, on le considère comme frappé de Dieu, humilié. Rappelez-vous que pour un juif, être pendu au bois, c'était une malédiction. Hein, c'était la pire des condamnations, c'était celle qui, pour laquelle il n'y avait aucune possibilité de salut. Hein, celui qui était lapidé pouvait encore espérer grâce de Dieu, mais celui qui est pendu au bois, il est maudit. Hein, donc la situation de Christ est vraiment là, signalée, hein, frappé de Dieu, rejeté, et pourtant, on nous dit, son châtiment nous donne la paix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc voilà ce Dieu qui vient nous rencontrer sur terre en tant qu'homme, puisque Jésus a vécu comme un homme, tout en étant Dieu. Il faut le préciser, parce que si Jésus n'est pas Dieu, le sacrifice n'a plus de valeur. Où est l'amour de Dieu? Quelqu'un qui m'aime et qui envoie quelqu'un d'autre pour souffrir à sa place. Moi, j'ai du mal à concevoir l'amour. Quand Dieu me dit « Je t'aime et je suis venu sur terre et j'ai endossé ton péché, j'ai souffert à ta place pour que toi, tu ne subisses pas ce châtiment, je l'ai pris », là, oui, je dis « Seigneur, tu m'aimes ». Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. Donc, Jésus était pleinement Dieu sur terre. L'apôtre Paul l'affirme, les apôtres l'affirment au travers des évangiles. On n'est pas là pour parler de la divinité de Jésus, mais c'est un rappel. Et il faut voir cet être extraordinaire qui n'est qu'amour. Il est amour. Dieu est amour. Et qui a un tel souci de nous qu'il meurt sur la croix. En quelque sorte, il est en train de nous dire: j'ai tellement envie que tu vives que je meurs pour pas que toi tu meurs. Hein? C'est extraordinaire. Hein? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Si on a peur de Dieu, c'est qu'on n'est pas en accord avec lui. Alors là, ça, c'est autre chose. C'est le problème du jugement. Mais si on se tourne vers le Dieu rédempteur, on n'a rien à craindre. Parce que Dieu n'attend que cela. N'attend que cela, qu'on vienne et qu'on se relève. D'ailleurs, le texte de Ésaïe 53 nous en parle. Hein, ce Dieu d'amour, il aurait pu... Il était maltraité par des hommes d'un seul mot. Il pouvait balayer tout le monde. Il ne l'a pas fait. Il s'est laissé condamner, il s'est laissé mettre à mort. Il aurait pu à chaque fois arrêter chaque chose. Mais non, parce qu'il nous aime, il est allé jusqu'au bout. Il avait même le respect de ceux qui le condamnaient. Oui. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'est extraordinaire. Ceux qui le font souffrir, il a le souci d'eux. Hein? Et à la fin, la fin du chapitre 53 nous montre combien Dieu va se réjouir de ce qu'il a accompli. Et est-ce qu'on peut lire les derniers versets, donc d'Ésaïe 53, à partir du verset 10, pour se remettre dans le sens. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes
et qu'il a intercédé pour les coupables. Donc ce texte est formidable, on voit l'apothéose, le salut que des hommes vont accepter. C'est pour ça qu'on ne dit pas tous les hommes, on dit beaucoup d'hommes. C'est vrai que Jésus est mort pour tous les hommes, mais tous les hommes ne l'acceptent pas. Donc malheureusement, le résultat final, c'est qu'il y aura beaucoup d'hommes, malheureusement pas tous. Mais il y aura beaucoup d'hommes. Il va rassasier ses regards quand il verra les foules d'êtres humains sauvés. C'est sa joie, se rassasier les regards. Il sera heureux à regarder cela. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. On voit ce Christ rédempteur, puisqu'il a porté donc les fautes de tous les hommes, tu l'as rappelé, lui-même va passer du plus profond, on va dire, de la misère, vraiment au plus bas de la vie, c'est-à-dire la mort en fait, et lui-même va ressusciter, donc lui-même va être, retrouver sa position, oui, en quelque sorte. De Dieu, de fils de Dieu. Oui. Donc il va effectivement retrouver toutes ses caractéristiques. Quand on voit ici, mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, je pense qu'il y a aussi encore plus de joie pour Dieu de le voir retrouver son fils, la place qu'il avait auparavant. Alors, le plaisir de Dieu, ce n'est pas tant de le briser. Hein? Dieu il l'a consenti, il l'a consenti plutôt. Mais le plaisir de Dieu, c'est que ce sacrifice sauve les hommes. Voilà. N'oublions pas, je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus est Dieu. Hein? Donc c'est lui-même qui s'offre. Mm. Donc il est heureux de s'offrir pour notre salut. À tout moment, Jésus peut arrêter. Mm. Il est le Maître Tout-Puissant. Il ne le fait pas. Parce qu'il nous aime. Et c'est cela, le plaisir de Dieu. Ce n'est pas tellement qu'il soit brisé. Il a fallu qu'il soit brisé, parce qu'il a fallu qu'il soit dans la situation de l'homme pécheur. Hein? Puisqu'il porte la condamnation, il faut qu'il se trouve dans la situation de l'homme pécheur. C'est pour ça que Jésus, sur la croix, porte tous les péchés du monde. Et qu'est-ce qu'il fait sur la croix? À un moment donné, il se passe un phénomène incroyable. Jésus va crier. Oui. Et il va crier quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on se pose souvent la question, mais il est Dieu, pourquoi il dit ça? Il savait que... Oui, c'est vrai, il savait tout. Mais quand il est sur la croix, Jésus est chacun d'entre nous. Il est homme. Il est homme. Il est l'homme face à la condamnation du péché. Mmh. Il n'a pas d'espoir. L'homme pécheur n'a aucun espoir de salut, sauf en Jésus-Christ. Mais là, Jésus est dans la peau, excusez-moi de dire cela comme ça, de celui qui a refusé le salut. Et donc, qui est condamné? Il subit la condamnation éternelle. C'est pour ça qu'il est face à la mort et il ne voit plus que ça. Je ne sais pas, si on se rend compte, ça veut dire, comment était Jésus tout au long de sa vie? Sans péché. Sans péché. Et puis surtout, il était proche de son père. Il recherchait souvent la... On dit qu'il était en relation. Voilà un homme qui était tout le temps en relation complète avec Dieu, totale, en communion. Un homme qui n'a jamais fait le mal. Et le voilà qui porte le mal de l'humanité entière. Et il y en a eu du mal de fait par l'humanité. De ce fait... Il se trouve coupé de Dieu. Quoique Dieu est là, mais il ne le voit plus, il est incapable de le voir. Parce que la noirceur du péché lui bouche la vue de Dieu. D'où ce cri d'une voix forte. C'est le cri d'angoisse. Et c'est ce cri d'angoisse qui nous sauve. Parce que Dieu a réellement accepté de vivre réellement, profondément cela. Il nous en délivre. Et Paul va dire à juste titre que Dieu était en Jésus réconciliant le monde avec lui. Et il y a aussi un texte très intéressant que j'aime bien parce que ça nous montre à quel point, en plus des autres textes, à quel point Christ était
pleinement homme lorsqu'il a consenti ce sacrifice d'Holocrée. C'est Philippiens 2, Philippiens chapitre 2, le verset, on va lire le verset 7 qui dit « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. » Voilà. Jésus a accepté cela et on ne se rend pas compte, pour nous, êtres humains, de ce que cela veut dire dans la réalité de Dieu. Voilà un être qui se coupe de lui-même. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, c'est le mystère de la divinité. On a du mal à comprendre cela, mais pourtant c'est ce que nous dit la Bible. Et voilà que cet être va être déchiré. Le Père va souffrir de la souffrance du Fils. Parce que le Père est là, il est toujours en communion. Et le Fils souffre parce qu'il ne voit plus le Père. Et c'est terrible, il faut comprendre cela. Nous n'aurons jamais à vivre cela parce que nous avons le bénéfice du salut parce que Jésus l'a accompli. Oui, je pense que ça devait être terrible pour le Père et le Fils de vivre ça. Le Père, en tant que Dieu, Dieu Saint, ne pouvait pas, je veux dire, dans cette situation-là, il ne pouvait pas être aussi proche de son Fils que... Parce que Dieu ne peut même pas voir le mal. Voilà, il a le mal en horreur. Donc forcément, il ne pouvait plus être en communion comme avant avec son Fils. Tout à fait. Donc, voilà, nous avons un Dieu extraordinaire, un Dieu rédempteur, que ce soit le Dieu de l'Ancien Testament, qu'on a souvent tendance à présenter comme un Dieu un peu vindicatif, méchant, tyran, etc., vengeur. C'est pas un Dieu vengeur, c'est un Dieu qui est aimant, rempli d'amour, dès la Genèse. Il permet à l'homme d'être sauvé. Il a prévu le salut. Il l'annonce à l'homme. Il lui dit. Et tout l'Ancien Testament va aller dans ce sens. Oui, il a préparé. Va préparer la venue du Messie. Le Messie vient et il accomplit ça dans une situation dure, difficile, épouvantable. Mais c'est pour nous. Parce qu'il nous aime. C'est pour cela que Dieu prouve son amour. Alors, par la mort en Christ. Parce que alors que nous étions encore, dit l'apôtre Paul, des pécheurs, et puis pour nous, on n'était même pas nés, eh bien, Christ est mort pour nous. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que nous voudrions, chers amis internautes, que vous ne puissiez jamais oublier. Dieu est amour. Dieu vous aime profondément. Dieu désire, absolument désire, que vous puissiez profiter d'une éternité de bonheur. Et pour ce faire, il a tout donné. Il s'est donné. On ne pouvait pas donner plus. Il s'est donné lui-même afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Nous vous proposons de le rencontrer vous-même dans la prière, dans l'étude de la parole. Et que, comme nous qui avons déjà accepté de suivre le Seigneur, que vous puissiez bénéficier de ce bonheur et de cette paix extraordinaire, de connaître Christ, de connaître Dieu et de le suivre. Que le Seigneur vous bénisse.